Salut tu peux, c'est Florian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui un magazine Ninjago encore, hein. Voilà la suite. Donc on a le magazine de Cole, et cette fois-ci je suis pas trop en retard, hein, parce que j'ai sorti fin du mois de juillet, voilà, ça va. On va faire le tour tout de suite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bah, c'est parti. Donc du coup on a les fans de Cole déjà. La fille de Cole, voilà, elle est là. On a l'épaulette. On dirait un exclusif, hein, la tête, tout est beau, sauf l'épaulette. Et la tête, c'est celle du film. Voilà. En termes d'accessoires, il a un gros marteau. Je sais pas si je peux défoncer mon écran avec, mais en tout cas, ça tourne. Voilà. Il a cassé. Et ici, on a du coup un sabre orange. Voilà, en couleur de son bandeau, tout simplement. Vous n'avez rien vu. Hop. En termes de cartes, il a la figurine de Kai Spinjitzu. En carte, hein, évidemment. Voilà, plutôt cool, exclusive donc. Packaging. Voilà. Et tour du magazine, comme d'hab. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce magazine? Déjà la page. Ici, on a une pub pour le magazine Star Wars avec la figurine de Dark Maul. Je sais pas si je l'aurai celle-là. Je sais pas si je la prendrai vraiment. Plutôt. Voilà. Hein, ici, du coup, nous avons le sommaire. Alors, cette BD-là, je vous conseille de la lire si vous voulez comprendre Ninjago saison 16. Voilà, saison 15, saison 16, comme vous voulez. Ensuite ici du coup on a la page du jouet avec un petit jeu en rapport avec le jouet. Une petite pub du coup pour les sets cristallisés. BD. Jeu. Poster. Donc des ninjas en mode saison 15. Et ici Zane saison 15, tout simplement. Hop, abonnement. BD. Cette BD là, franchement, j'ai lu moi. Je vous conseille de la lire. Très franchement, je vous conseille de la lire. Une page sur Nia. Voilà, Nia. Je vous dis rien si vous n'avez pas vu Nia de saison 16. Hop. Ici, des jeux. Encore des jeux. Jeux. Ah, si, il y a du suspense encore. Hop. Voilà, magazine Ninjago League ici. Voilà, tous sont sur la chaîne. De tête. Peut-être pas tous. Et donc, dans le prochain magazine, nous avons le premier magazine cristallisé avec Kai Dragon. Cette figurine-là, je la voulais vraiment parce que bah, je ne l'avais pas eue moi dans les boîtes. Elle apparaît normalement dans cette boîte-là. Comme vous pouvez le constater, elle apparaît là. Mais moi, je ne l'ai pas eu du coup, parce que je l'ai eu sans une minifigure. Du coup, c'est cool de la voir dans ce magazine-là. Ça arrive fin du mois d'août. Donc, je pense que vous aurez cette vidéo de magazine en même temps, je pense. Voilà. Donc, bah, du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Bah, du coup, c'était MC de la chaîne Léo, qui j'espère vous aura plu, qui vous dit bye!